Salut tout le monde, c'est Redbox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pas sur du Dofus ou un jeu récent n'importe quel ou Bioshock ou un truc comme ça. Cette fois-ci, on se retrouve sur Aladdin de Super Nintendo. Voilà, voilà, un jeu Super Nintendo sur ma chaîne, voilà. Et ben voilà, du coup c'est parti. Du coup, alors oui bien sûr on n'est pas sur Super Nintendo, on est sur émulateur hein, bien sûr. Hein. J'ai pas le moyen d'enregistrer... J'ai pas les moyens pour enregistrer sur Super Nintendo et encore moins une Super Nintendo. Simplement parce que la mienne j'ai dû la donner à quelqu'un de la famille, j'en avais une, Aladdin. C'est pour ça que je jouais à Aladdin. Tout simplement parce que c'était un de mes... C'était tout simplement un de mes tout premiers jeux. Tout premier Aladdin que j'ai eu. Alors du coup c'est parti. Alors on va faire quelques... Hein, on va passer peut-être 20... Non, 15 minutes, 15-20 minutes ensemble et voilà. Du coup c'est parti. Alors... Ah putain, ça fait longtemps. Bon, ça fait bizarre de voir ça sur un écran HD. Mais bon. Alors, on va peut-être faire... alors voilà, émulateur. Hein. On va peut-être faire reset. Yes. Voilà. Et on va tout relancer parce que j'avais déjà commencé pour tester le recording. Du coup, j'avais déjà passé le premier niveau pour regarder les touches. Parce que sur clavier, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est du coup un de mes tout premiers jeux. Je sais pas comment je vais appeler ça. Peut-être retour en enfance, mais... Ce jeu, je l'ai fini combien de fois? 1, 2, 3... Peut-être presque 3 fois, parce qu'il y a une fois, j'ai pas pu le finir. Du coup, j'ai tout recommencé, j'ai fini 2 fois et demi ce jeu. Ce jeu sur Super Nintendo, j'ai fini. Alors, ok, on rentre. Ah oui, les mots de passe, oh là là, j'en avais écrit. Alors, sauter avec ça et jeter des pommes avec ça. On avance, ok. Du coup, c'est parti. Oh là là, ça fait tellement longtemps. Ah, merde. Oh là là. Putain, même la musique était épique. Attendez, on peut... Non. Du coup... Oh là là. Du coup, bon, j'ai pas la manette, hein, je joue au clavier. Hein. Ah bah, il y avait rien. Oh là là, le... Ah, ça fait tellement longtemps, je sais pas si... En tout cas, là, là pour l'instant, moi, j'ai 17 ans. Je suis dans 3 janvier 99... 97 ouais. Et peut-être... j'ai joué quand je... Il y a longtemps, il y a peut-être 10 ans, un truc comme ça. Peut-être quand j'avais 10 ans, j'ai joué à ce jeu. C'était... Non, non, moins que 10 ans même. J'ai dû jouer, j'ai dû avoir la Super Nintendo en 2010, voilà. Du coup, je l'ai pas eu super tôt. Hein. La Super Nintendo, je l'ai eu en 2010. Parce que tout simplement, bah, les parents, ça voulait pas acheter, hein, tout simplement. Du coup, j'ai dû avoir cette Super Nintendo en 2010. Ah, ça fait longtemps, hein, quand même. Je sais pas si j'aurai la foi de faire tout le jeu parce que vers bah y a vers le milieu du jeu, enfin ouais c'est vers le milieu du jeu, vous combattez l'autre là, le serpent là, comme il s'appelle, Jafar. Un des meilleurs méchants pour moi, je le kiffe. Bonsoir. J'adore comment il parle. Pour moi Jafar c'est le méchant des méchants. Alors par contre. Ah. On peut pas se retourner parce que sur la manette on pouvait se retourner directement dessus. Alors, oh là. Ok, on monte. Aïe, oh. Aïe, j'ai presque plus de vie. Ok. Oh là là. Allez, c'est parti, on monte. Oui, un up. Oh là là. Peut-être je vous ferai d'autres vidéos sur des jeux parce que j'avais peut-être quand j'avais la Super Nintendo j'avais pas beaucoup de jeux à l'époque. J'avais pas beaucoup de jeux, je devais avoir 4-5 jeux. Du coup bah, peut-être j'avais quoi comme jeu, c'est attendez. J'avais quoi comme jeu déjà? Je sens on peut sauter sur les serpents, mais comment on va le faire là. Aïe. Ah voilà pourquoi. Ah attendez. Faut récupérer ça. Faut récupérer ça. Non. Non, 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 non. Hop. Non, non, non. Oui, oui. C'est bon. Voilà. Ouh. Bon, j'ai perdu plein de vie à cause de ça, mais c'est pas grave. Je vais pas. Je devais avoir quoi comme jeu? J'avais aussi. Putain, j'ai oublié. J'avais Mario là, le Mario avec. Je sais pas si je le retrouverai sur émulateur, mais je pense que si. J'avais le Mario avec le cheval là. Je sais plus. C'était un... Ah! Bon.
Bon, c'est pas que je suis fort, mais c'est dur au clavier. Hein. C'est pas comme à la manette où t'as... vous avez trois boutons. Aïe, 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 aïe. Bon, bah voilà. Je suis day, c'est day. Ah, on recommence du début en plus. Bon, on va essayer de faire ça vite. Peut-être je ferai une ellipse au montage. Hein. Y a pas. Du coup, bah je connaîtrai pas le temps. Voilà, allez c'est parti. Et voilà, on a réussi le niveau 1. On est trop fort, on est trop fort. Et bien sûr, comme j'ai récupéré ça, je vais avoir le droit à un bonus. C'est parti. Moi je me rappelle, je priais pour avoir la tête du génie. Parce qu'en fait je savais pas c'était quoi. Et je crois que je me rappelle plus. Si, je crois que je l'avais découvert une fois, la tête du génie. Ah bah tiens, voir la tête du génie. Oui, oui, eh bah tiens, on a eu la tête du génie. Oh là là, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Ah oui, c'est vrai. Ça me donnait une vie en plus. Ah oui, si, c'est vrai. Je me rappelle. Allez, c'est parti. Action. Ils ont cru que c'était un film ou... Ah oui, ce niveau aussi. Oh là là, ça fait tellement de bons souvenirs. Tellement. Tellement. Ah oui, putain. C'est vrai qu'il faut se baisser. Bah en fait, avec le clavier, vous n'avez pas le réflexe, en fait. Faut juste avoir les réflexes. En fait, la manette, c'est plus intuitif. Oh! Oh! J'ai eu la cape. C'est bien ça, mais je sais pas comment l'utiliser en fait. Tant pis, pas de cap, hein, écoutez. Mais pourtant, je me rappelle, c'était super utile la cape. Bon, lui, il va nous foncer dessus. Ouais, c'était pas ça. Ah, wow. La cape, c'était tellement utile. En tout cas, quand vous sautez, ça vous met une cape et vous tombez plus doucement. Alors, je me rappelle que là, il y a un mec qui va nous jeter un truc. Faut faire vite. Voilà. Et voilà. Et voilà. Alors, il y en a un autre en haut. Non, non, c'est un archer. Ah non, non, c'était bien. Hein. Bon, ma mémoire me fait défaut, hein. Arrête de rigoler sur moi là. Ah, un poulet. Ouais, ah oui, il y avait. Attendez, oh là là. Il y avait aussi le niveau du tapis. Je sais pas si vous connaissez. Ah, ça aussi c'était un bon niveau. Ça aussi c'était un bon niveau que j'ai perdu pas mal de fois, mais je trouvais que c'était un bon niveau. Bon, toi tu commences à me les briser. Voilà. Avec le tapis en fait. Il y avait la lave et tout. Ah, faut prendre le coup de main hein. Au début, c'est pas facile. Hein. En soi, c'est pas compliqué, hein, parce que les flèches vont toujours au même endroit, mais c'était ça qui était... Ah... Mais en fait, il y a des trucs, c'était les flèches qui tiraient toujours la même chose. Du coup, tu pouvais anticiper la trajectoire des flèches. Mais, bah, je sais pas, vous faites toujours piéger. Hein. Bon, là, c'est parce que je suis au clavier, du coup, c'est pas facile. Je me rappelle, j'avais eu deux Super Nintendo. Ouais, ouais, bon, je vous raconte ma vie, hein, mais c'est pas grave. J'avais eu deux Super Nintendo. C'est moment souvenir avec Redbox. J'ai fait deux Super Nintendo. Au départ, j'en avais une. Et après, comme j'avais plus beaucoup joué, du coup, ben on a dû la donner à la famille. Et après, j'en avais une autre que j'avais trouvée dans une brocante, je crois. Et que j'avais acheté. Enfin, que mes parents avaient acheté. Et du coup, ben, j'ai commencé à rejouer. Ça fait pas longtemps que j'ai donné ma Super Nintendo, ça doit faire 3-4 ans que j'ai donné, je l'ai vu à la famille, parce que bah ma mère a une mentalité de vieille, je sais pas trop si on peut dire ça comme ça. Mais en gros, regardez, oh. En gros, bah dès qu'elle voyait un truc que je m'en servais pas, au lieu que ça se prend la poussière, bah elle donne à la famille. Je sais pas si vos parents étaient comme ça aussi, mais... En tout cas, c'est comme ça qu'était ma mère. Et du coup, bah, elle a donné ma console à la famille. Bon, j'étais petit, hein, je pouvais pas dire non. Et si je voudrais y jouer quand... Bon, là, j'ai la flemme de récupérer le truc rouge là qui est là-bas. Après, faut tout retomber, faut tout refaire. Hein, déjà que j'ai galéré. Et voilà, on a fini. Hop là. Yeah. Il y a quelques cinématiques, j'ai vu. Mais bon. Enfin, j'ai vu. Je sais qu'il y a quelques cinématiques. Ah, ce niveau aussi. Oh là là. J'ai dû le faire des tonnes de fois. Il me semble qu'il y a un petit boss à la fin, celui-là, je crois. Ah, mais j'ai encore la cape. Et je sais pas comment l'utiliser en fait. Ah, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Vous avez vu un peu la cape? Bon, bah bref, vous avez vu à quoi ressemblait la cape. Hein. Mais voilà, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Ah oui, mais surtout pour ce niveau, la cape était super utile, je me rappelle. Parce qu'il y a des fois où vous savez pas où tomber. Et du coup, bah faut refaire le jeu. Ouais, la cape ici était presque indispensable. Voilà, ici aussi c'était plutôt pas mal parce que vous pouvez récupérer le truc rouge avec la cape. Bon, c'est pas grave, on va juste essayer de gérer le niveau, écoutez. En bas aussi, la cape est indispensable parce que vous avez un up. Bon, ça, tout ça, c'est ce que je me rappelle. Hein. Enfin, je dis indispensable, mais peut-être que si vous avez de la chance, vous pouvez réussir. Écoutez. Ah, il y a un petit morceau de pain. Ok, ah oui, ici aussi. Oh là là.
Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez connu le jeu. Je veux dire à l'époque hein, quand vous étiez petit. Du coup là. Du coup on va se laisser sur ça. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah c'est après ça qu'il y a le boss. Bon écoute on va se faire le boss. On va se faire le boss. On va essayer de récolter un maximum de pommes. Parce que je me rappelle qu'il fallait des pommes pour ce boss. Voilà. Avec Jasmine. Ah il nous redonne 30 pommes, c'est cool ça. Ah merde. Ah si c'est bon ça marche. Ah par contre là il va s'énerver là. Ok. C'est bon. Attends, je crois qu'on peut le calmer avec les pommes, voyez. Ah oui. Eh je me rappelle j'avais galéré. En fait quand je me dis c'était tout facile en fait. Yeah. Voilà. Par contre j'ai pas. Ah non 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 non. Yeah. Oui. Si si. Si si avec un petit singe là. Oh là 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 là. Jasmine, tu es là. Oui. T'inquiète ici la famille. On est là. On est là, on a trouvé. Ah oui, les mots de passe. On va les noter. Écoutez, même si on peut les trouver sur internet, mais. Les mots de passe, hein. Bien sûr, les mots de passe, si vous ne savez pas à quoi ça sert tout simplement à pas faire des niveaux quand vous avez perdu en fait. Parce que quand vous perdez, vous recommencez tout du début. Il me semble. Du coup, vous pouvez utiliser ces mots de passe pour passer aux autres niveaux. Non, juste pour voir à quoi il ressemble l'autre niveau. Aladdin et Jasmine et chapeau, garde du sultan. Et se réfugier chez Aladdin sur les hauteurs d'Agrabah. Da 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 da. Ils admirent le parano. La parano, ouais. Le panorama et discutent de leur projet futur. Da 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 da. Et là, bien sûr, on est dans la, dans la grotte du génie. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se laisser ici. Hein. Du coup, dites-moi peut-être si vous voulez la suite, je sais pas. Un let's play sur ce jeu, dites-moi dans les commentaires. Ah, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'y rejouer. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Radbox et on se dit à très vite. N'hésitez pas à aller sur mon petit compte Twitter. Hein, je mets des informations. Même si j'en mets pas souvent, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos. Enfin, comme ça, vous êtes informé aux autres vidéos. Et de mettre un petit j'aime, hein, ça fait toujours plaisir. Allez, c'était Radbox et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Et pour les plus courageux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vais juste vous montrer comment j'ai joué au jeu sur PC, tout simplement grâce au petit logiciel RoomStation. C'est un émulateur, du coup vous avez tout, vous avez tous les jeux qui sont là. Vous avez les jeux de la Nintendo 64, de la PS1, vous avez de la Super NES, de la Game Boy, voilà. Vous avez tous les jeux et vous les téléchargez, et vous venir ici tout simplement. Voilà, c'est celui-là de Super Mario que j'ai. Voilà. Du coup, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, voilà, je vous dis comment réussir à jouer si vous voulez vous aussi jouer. Vous tapez RoomStation, voilà, c'est un petit truc à télécharger sur votre PC. Du coup, voilà. Et oui, voilà. Si vous éteignez votre console, vous recommencez tout du début. C'est pour ça que c'est à ça que ça servait les codes. Parce que si vous éteignez votre console, vous recommencez tout du début, il me semble. Du coup, voilà. Du coup, bah je vous dis à plus tard les gens. À plus tôt, oui c'est bizarre. Bon à plus tard.